Wow. On se calme un petit peu, n'allons pas trop vite en besogne. Comment en est-on arrivé là? Pour le savoir, reprenons depuis le début. Tout commence un matin d'été, dans la campagne profonde d'un village dans le pays des rillettes. L'endroit étant propice à la balade à moto, mais plus fréquemment côtoyé par des engins agricoles. Bref, il était temps pour moi d'aller découvrir le monde, m'extérioriser avant de devenir agriculteur à mon tour, même si je n'ai rien contre eux. Notre pays est rempli de paysages que je n'ai même pas encore pris la peine de découvrir. Et comme il faut bien commencer quelque part, je commence par la Sarthe, département où de multiples paysages se côtoient. Mais pas envie d'explorer le monde seul, ni une ni deux, je demande aux frangins de participer à l'aventure. On est motard dans l'âme, ça devrait pas être trop compliqué. Même qu'une fois, j'ai roulé dans une flaque d'eau avec ma moto, donc plus rien ne peut m'atteindre. C'était donc parti pour nous, pour une nouvelle aventure, en contre-plongée à la découverte des départements. Ni une ni deux, on chausse les poneys, direction Saint-Léonard-des-Bois, un des plus beaux villages de France. 1h15 de route depuis notre point de départ. C'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour mon Fat et moi, c'est l'aventure qui commence. Les paysages qui défilent devant nous apportent tellement d'excitation que j'en oublie que je roule en Harley. Mais j'ai l'impression d'être Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. Mais bon, j'ai pas encore l'instinct aventurier. Une petite pause s'impose pour se remplir le ventre et profiter de la rivière pour se reposer. Sans en abuser, pour éviter quand même de tomber dans une sieste interminable. J'ai tendance à vite me laisser embarquer dans ce genre de décor. Une fois la pause syndicale terminée et la pause pipi, il est temps de reprendre la route, direction Fresnay-sur-Sarthe, où on est censé apercevoir des châteaux. C'est dommage, l'idée du camping municipal me plaisait quand même bien. On quitte les Alpes Mancelles pour quelques kilomètres de verdure avec des routes qui testent ma capacité à me coucher dans les virages limités par la garde au sol de ma moto taillée pour les lignes droites américaines. Alors que le frangin, lui, sur son Tiger, profite pleinement de son jouet sans avoir à lutter pour ne pas aller brouter l'herbe du champ voisin. Une heure plus tard, c'est encore l'heure de s'arrêter pour se détendre les bras emmenés par les vibrations. Une occasion de plus pour se rafraîchir et profiter du paysage de ce petit patelin aux faux airs d'Ardèche. Profite des 30 degrés pour reprendre la route. Quelle idée, quand la moto à elle seule peut te cuire les mollets déjà en plein hiver. En plus, on n'aura même pas vu de château. Juste quelques morceaux d'une époque bien lointaine.
Et en parlant de château, il nous aura fallu parcourir quelques kilomètres de plus pour en voir un entier. Une excuse de plus pour s'arrêter à l'ombre et vidanger les quelques litres de flotte picolés sur le chemin. Et puis, piloter une Harley, ça implique quelques règles pour détendre ses muscles. On remerciera ce bel arbre pour nous avoir donné l'ombre nécessaire pour refroidir les montures, et nous aussi à l'occasion. Ah, le Mans, c'est pas faute d'être proche. Et pourtant, j'ai l'impression de découvrir cette ville. Comme quoi, en cherchant un peu, on découvre des endroits insolites. Comme ici, la vieille ville, avec ses maisons qui ne ressemblent à aucune autre dans le secteur. On peut même y découvrir quelques artisans. Mais Le Mans, ce n'est pas qu'une ville. C'est aussi une aire d'accueil de manifestations sportives, comme les 24 heures du Mans, organisées chaque année, avant l'été. Une course à voir au moins une fois dans sa vie. Retour sur la route. À quelques kilomètres de là, se cache un site gallo-romain dans la petite ville d'Aubigné-Racan. Site gratuit et ouvert au public dont j'ignorais l'existence.
proche se trouve le château du Lude. Hors de question de passer à côté alors que je ne suis qu'à quelques kilomètres. Notre tour de Sarthe, dans les grandes lignes, arrive à sa fin. Je décide de me rendre dans le sud Sarthe, où un petit coin boisé nous attendait pour tester nos capacités off-road. La forêt de Bercé. Une panoplie d'arbres en tout genre qui s'étend jusqu'à l'horizon. L'occasion pour nous, et surtout pour moi, de tester le off-road avec nos bécanes. Et quand je dis off-road, je dis trois pauvres petits grains de sable et deux cailloux, histoire quand même de ne pas abîmer mon fat. Je me lance, non pas par courage, mais surtout pour éviter d'entendre une énième moquerie qu'une Harley, c'est pour les lignes droites. J'y vais mollo quand même, pas fou le gaillard. Car si je me viande, la légende prend vie. Je peux même me permettre de jouer un tout petit peu avec les gaz, histoire de montrer qu'elle en a dans le ventre. Et rebelote, on reprend la route pour clôturer notre boucle longue de 360 km, avec un passage obligé par Saint-Bien-en-Belin, histoire de profiter de la verdure et du cadre magnifique qu'offre le jardin du Petit Bordeaux.